On est dans l'appart. Qui ne fait pas ça, franchement? Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Ah mais regardez avec quoi je me trimballe. Nous avons déménagé en train et en Fiat 500. On s'y met. Comment on a fait ça? Je coupe le spaghetti. C'est super bon cette merdouille là. Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Marie déménage, le troisième déjà! Mais dans celui-ci, il va s'en passer des choses. Parce qu'on va quand même enfin faire mes cartons et on va partir de la maison, partir du cocon familial. Oh là là! Attendez, je vous pose là. Je suis en train de manger comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai fait un truc très bon là ce midi. Coquillettes complètes, poulet, salade, tomates, oignons et sauce soja salée. Tout froid, mais j'aime trop. Bref, aujourd'hui on est lundi, je pars jeudi, j'ai pris mon billet de train, mais je n'ai pas fait de carton encore. J'ai rien fait, il faut que je me bouge. Je pense que je ferai demain, parce que là, il faut que je fasse le montage de l'épisode 2 de Marie déménage. Bref, je continue de manger avec la stilto en vidéo. Voilà, la petite stilto, je ne pense pas qu'elle passera par là, mais je l'adore, vraiment, j'adore ses vidéos, très good vibes, cette fille a l'air très gentille. Donc c'est parti. Sinon je déprime, je me sèche les cheveux. Non mais est-ce que vous vous rendez compte que mes priorités c'est faire mon petit montage pour l'épisode pour que vous l'ayez à temps? Oula, il y a un petit blème là. Ouh, il manque une lettre. Mais oui là je devrais être en train de faire mes cartons là. Mais je les fais pas, je fais du montage à la place. Parce que je préfère. Non, en vrai, je repousse les cartons comme je repousse le tri Vinted. Mais du coup demain carton, promis, demain on fait les cartons ensemble, ok? Nouveau colis Vinted à faire. Ça me fait trop rire parce que le carton, c'est un carton d'une lampe qu'on a acheté chez Ikea. Ah bah on prend tout ce qu'on peut, hein, ça c'est sûr. Et cet après-midi, je fais mes cartons, c'est promis. J'ai encore rien fait. Je repousse tout le temps, c'est ce que je disais la semaine dernière dans l'épisode numéro 2. Mais il faut vraiment que je le fasse aujourd'hui, il n'y a pas le choix de toute façon. Donc on va le faire cet après-midi ensemble. Comme ça vous allez me tenir compagnie quoi. Et c'est plus rigolo. Et c'est plus sympa. Sympatoche. What? C'est quoi cette météo? On est au mois de juin, presque juillet. Bon, moi, ce que je fais, c'est que je vais à la salle de sport. Je vais y aller, je vous laisse et on se retrouve ce midi puisqu'on va faire à manger ensemble. On va cuisiner ensemble. Bon, cuisiner, c'est un grand mot. Bisous, à tout à l'heure. Ah oui, je vais aussi poster des colis Vinted parce qu'il m'en reste à poster. Sachant qu'il y en a trois. Il y en a un, c'est à la poste, un, c'est au tabac et un, c'est au relais. Ça y est, je suis rentrée du sport, j'en ai tranquillou sur mon lit et du coup bah on va aller manger. Je pense que je vais faire des pâtes chinoises parce que c'est la base. Avec quoi? De la sauce soja salée, du poulet, de la salade, des tomates. En fait je mange tout le temps ce plat en ce moment mais j'aime trop. Donc quoi? Bah je le mange, voilà. Et cet après-midi on fait les cartons. Je sais pas combien de fois j'ai dit cette phrase mais faut qu'on les fasse. Voilà, c'est prêt. Ça a l'air trop bon. Je vais regarder ça. Enfin, je vais manger ça en regardant des vidéos YouTube. Et après, ben, on s'y met. Mais moi, j'aime pas les spaghettis comme ça. Je vais vous dire ça, mais ça va vous énerver. Mais moi, je coupe mes spaghettis. Voilà, c'est dit. Vous pouvez me juger en commentaire. Je coupe mes spaghettis. Oupsie. Aujourd'hui, c'est un vlog très spécial. Mission carton, c'est parti. Étape numéro 1, construire les cartons. On s'y met. Mon grand-père, il m'a ramené plein de cartons parce que j'en avais pas. Et du coup, il n'y a plus d'excuses, faut qu'on s'y mette maintenant. Alors déjà, faut déjà qu'on les... Ils sont attachés, attendez. Ils sont collés les uns avec les autres. Ah bah génial. Comment on enlève ça? On va prendre le ciseau. Ah. Hop là.
Étape numéro 2, choisir par où commencer. Oui, oui, c'est une étape. Je sais pas par où commencer. Bon, faut déjà que je définisse qu'est-ce que j'emmène et qu'est-ce que je n'emmène pas. Parce que je vais pas tout emmener, vous vous doutez bien. Oh, je sais pas, mais je sais pas par où commencer. Étape numéro 3, remplir les cartons. Que vous et moi, on va être efficace. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Ça, c'est indispensable quand vous déménagez. Qui ne fait pas ça, franchement? C'est tellement satisfaisant, mais il faut pas le faire parce qu'après le truc il est foutu, donc bon, hein, on va éviter. Elle est énorme cette bougie. Elle sent trop bon, c'est une bougie Caudalie, dis donc. Va là-dedans. Hop. Oh, cette bougie-là, les bougies Charou, c'est les best, elles sentent trop bon. De toute façon, moi, je suis une grande collectionneuse de bougies. Je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, mais j'ai une collection de bougies. Mais vraiment, regardez. Là, il y a plein de bougies. Bon, je vais peut-être pas toutes les prendre non plus. Il y en a aussi là. Voilà, Yankee Candle, ma jolie candle. Et ben, il y a de quoi faire flamber l'appart. Non, vous inquiétez pas, on fait très attention quand on allume une bougie. On ne la laisse pas sans surveillance. Carton, deux cartons. Je crois que j'aime pas du tout les fausses plantes, hein, non. Mais en vrai, ça fait tellement beau, je trouve, dans une chambre. Oh, faut que j'emmène celle-là d'ailleurs. Mais je me rends compte qu'au final, il y a plein de choses que je vais laisser, vous voyez. Par exemple, toutes ces bougies-là, je vais les laisser. Ah, ça, faut que je prenne mes appareils photo, très important. Là, faut que je prenne, là aussi. Mais en vrai, il y a plein de trucs que je vais laisser, hein. Vraiment. Genre, tout ça, je laisse. Que j'ai envie de changer un peu de déco quand même, vous voyez. Oh, remarquez ça, ça peut être pas mal du tout. Jamais assez de fausses plantes. Mais ça, on va prendre. Hop, c'est trop beau. C'est une caisse comme ça, enfin une petite caisse. Oh, ça va être canon chez moi, ça, je le sens. C'est un peu les couleurs que je voulais mettre aussi. Oh, mais c'est trop beau, mais j'adore. Je l'ai jamais mis ici. Et ben, ça ira dans l'appartement à Paris. J'aime bien parce qu'en fait c'est des cartons qui ont servi pour les anciens déménagements. Il y a marqué salle à manger, il y a marqué papier fourniture. Ouais bah écoutez, nous on réutilise nos anciens cartons. Hop, des petits coussins. On va mettre de la déco. Je crois qu'en fait ce que j'ai plus c'est de la déco. Et des vêtements et des sacs et des chaussures. Mais vraiment la déco j'en ai plein à craquer. En plus faudrait quand même protéger tout ce qui casse. Le problème c'est que j'ai pas assez de papier à bulles. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour les bougies. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Regardez ce plateau. Est-ce que je l'emmène? J'hésite. Remarquez, ça peut être beau quand même, mais je sais où je le mettrai. Eh, hey, mais je sais. Je vais prendre les deux coussins comme amorti pour les bougies. Il y en a là-dedans, hein. Je trouve, elle est toute cassée à la maison, vous allez voir. J'adore. J'ai des petites cassettes comme ça que j'ai récupérées chez mon grand-père. Et ça va grave faire une petite déco sympa, quoi. Très vintage. J'adore, j'adore. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I... Bon, je vous montre quelques petites choses rapidos, mais vraiment pas tout, sinon je vais tout vous spoiler. Mais regardez, j'avais acheté ça, c'est un bal à toilette du coup, chez Action. Ça valait grave le coup.
Regardez, semaine, ce truc, genre c'est trop beau. C'est pour boire. Ensuite, j'ai acheté aussi des petits couverts comme ça, des petits bocaux. Bon, ça c'est chez Ikea pour la cuisine. De toute façon, vous verrez tout quand j'installerai dans mon appart. Mais pour vous donner un petit aperçu de ce que j'ai acheté, j'aime trop. Ça, c'est mon tapis de douche. Assiette, une petite ampoule. Il y a quoi là-dedans? Ah oui, il y a des verres. J'ai acheté des verres ici. Tout plein de trucs, j'ai trop hâte. Tout à l'heure au Monop, j'ai acheté une boisson. Je connais pas du tout. C'est du kéfir d'eau légèrement pétillant, fraise avec de la rhubarbe. C'est sans sucre ajouté. Donc, en fait, on va goûter ensemble. Je sais pas si c'est bon. Franchement, elle est toute froide. Franchement, je sais pas à quoi m'attendre. Hein. Oh, ça sent trop bon. À la vôtre. Ça sent super bon. C'est trop bon. Mmh. Waouh, c'est super bon cette merdouille là. Mais c'est incroyable. La fraise, on dirait que vous buvez de la fraise, le vrai fruit. Ça a vraiment le goût de la fraise. Mais pas la fraise, vous savez, un peu chimique là. Vraiment la bonne fraise quoi. Mmh, incroyable. Incroyable. On dirait qu'il y a même des pépins de fraise à l'intérieur. Regardez, vous avez vu, je sais pas si vous voyez, mais on dirait qu'il y a des pépins de fraise. C'est incroyable. C'est trop bon. Mais vraiment, je recommande. Mais allez voir dans les Monoprix s'il y en a chez vous. Mais c'est une tuerie ce truc. On va aller chez Flying Tiger. Flying Tiger. Tout à l'heure j'ai eu un moment de stress puisque j'ai reçu le document à signer pour l'appartement. Et donc là on est la veille du départ hein, et il y avait plein d'erreurs. C'est parce qu'en fait le monsieur il a plein de bails en même temps. Il a confondu des trucs, des adresses. Donc c'était pas le bon code postal, c'était pas le bon montant de loyer. Donc pour vous dire que j'ai eu trop peur. Mais du coup c'est bon, tout est réglé. Alléluia, petit montage encore. Alors que je devrais être en plein carton. En vrai j'ai presque fini les cartons. Je pense qu'une heure cet après-midi ça le fera de ouf. Donc nickel. Là je monte en agit civil en fait. Un petit haul de chez Flying Tiger, de tout ce que j'avais trouvé chez eux parce que j'avais trouvé des pépites pour mon appart. Et du coup, je voulais vous faire un petit vlog IGTV. Voilà, changer un petit peu de plateforme. On va aller chez Flying Tiger. Flying Tiger, à chaque fois. Mais voilà, quoi, aujourd'hui c'est le grand jour. Enfin, c'est le grand jour, non, c'est demain le grand jour, mais c'est le dernier jour aujourd'hui, justement. Ça va faire tout drôle. Dernière nuit. Bon, après, c'est dernière, mais je vais quand même revenir chez mes parents, vous voyez. Mais voilà, quoi. Les gars, j'ai évidemment oublié de vlogger toute la journée. Voilà. J'ai tellement hâte de mettre ce beau miroir là dans sur mon petit meuble. Je vois déjà sa place chez Ikea. J'avais acheté celui-là samedi, mais il est trop beau. Oh là là, j'ai trop hâte. Dans la voiture de la maman, j'ai pris mon petit taux kéfir là. J'en ai racheté au Monop tout à l'heure. Tellement, oula, tellement c'est trop bon ce truc. Mes découvertes. En plus, je vous ai partagé ça sur Instagram. Du coup, vous avez été beaucoup à réagir et à m'apporter un peu des infos là-dessus parce que je connaissais pas. Et là, j'attends ma maman. Elle m'a ouvert la voiture depuis son travail et après direction la banque parce que je vais chercher ma nouvelle carte bancaire et direction Stokomanie pour aller chercher de la vaisselle parce que j'ai pas de vaisselle et je pense Stokomanie ou Centre Accor, ça sera pas trop cher. Donc voilà, les derniers moments à Dijon, ça fait tout drôle. Je me sens. Ouais, genre je sais pas, c'est un mood particulier parce que je sais que je quitte Dijon mais que je vais revenir aussi. Mais ça fait comme si je partais en vacances un peu, enfin je sais pas. Ma chambre est en bazar, pleine de cartons, tel un déménagement. Parce que Marie déménage.
Non mais regardez avec quoi je me trimballe. Je dois acheter un étendoir. Et lui il est pas cher, 13 euros. Ça va mais ça fait chier quand même d'acheter ça, tu vois. Un peu. Oh regarde. Des petits pots. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Vous pensez? Des cotons? Je sais pas. Bon allez, on va acheter ça. Oui. C'est parti. C'est bon? Bah oui, c'est bon. Je mets ça où? Ça faut le prendre les miroirs. Si je mets ça là, ça va pas? C'était comment? Bah c'était... Alors. Ah parce que là, je vous explique, il faut qu'on fasse le tri dans ce que je prends puisqu'on est en Fiat 500 et en train. Bon, ils vont revenir la semaine prochaine pour me rapporter d'autres cartons. Mais ça devient compliqué quoi. Il en reste pas des masses hein. Bon bah écoutez, c'est le jour J, on est le 1er juillet et je déménage. Ça y est, bon, un déménagement assez particulier puisque nous allons déménager en train et en Fiat 500. Oui, en train et en Fiat 500. Mais du coup, je vous explique, en gros, il y a des valises, des sacs à dos, il y a aussi... Attendez, je vous remontre. Il y a du coup tous les cartons ici. Voilà. Mon ordi aussi, mais en fait on va faire deux trajets, enfin je vais vous expliquer. En gros, du coup, avec ma maman, on va déménager les valises, le sac à dos et tout en train. Et mon beau-père va venir en Fiat 500. Voici l'auto avant le démarrage. Problème de pression des pneus. Aïe, aïe, aïe. Et je pense qu'ils vont revenir, du coup ils m'ont dit, parce qu'il y a encore des affaires, la semaine prochaine ils viendront en Fiat pour me rapporter les autres affaires. Trop gentil d'ailleurs, parce que bon, les allers-retours, on connaît. Mais voilà comment nous allons déménager. Un peu particulier comme déménagement, je sais. Mais bon, c'est un déménagement à notre sauce. La galère pour déménager, parce que imaginez-vous les 4 valises dans le métro, dans le train et tout. Ça va pas être simple, mais bon, on va vivre ça ensemble. C'est parti. J'ai l'impression que c'est comme Marine Curie. On repart pas. On a pas le choix. Ouais, avec le masque. Bah, on n'a pas le choix en fait. Parce que la Fiat 500, on peut pas tout mettre. Hein. T'en veux? Ouais, je vais bien, ma chérie. Le soleil, c'est trop bon. C'est les Bath & Body Works. On avait acheté ça en Italie, je crois. Non? Ouais, en Italie ou en Angleterre. Peut-être en Italie, je ne sais plus. Tiens, passe ta main. Ils sont trop bons. Je trouve ça la myrtille. Merci, chérie. Vous ayez rejoint à bord de ce TGV Lyria à destination. Ça va être mon porte-clés. Il est trop beau, maman, t'as vu? Bon, bah, on arrive à Paris. Du coup, on a combien de valises? 1, 2, 3. 3 des sacs. Je pense qu'on va être en avance, mais on va y aller tranquillou. C'est parti! Coincée, maman, comment je fais? Là, on est en train de faire la queue, mais il y a la queue, il y a personne. Pour acheter un pass Navigo parce que parisienne maintenant. On est là, c'est le premier mois du mois, c'est nickel. Bref, on a eu quelques galères, que ce soit moi dans le métro ou alors mon beau-père en Fiat 500 avec tous les cartons. Vous verrez ça dans la JTV de toute façon. Mais voilà, on est arrivé à l'appartement et je vous laisse avec les premiers plans dans mon appartement. Ah! Ah bon, on est dans l'appart, porte-clé, ça on va le mettre, hein. Tu veux me mettre? Oh, c'est beau le cadre, t'as vu? Ouais, très très, c'est lumineux. Ouais, pour du premier étage, mais le premier étage c'est lumineux, t'as vu? Ouais. Bon après tu verras si tu veux mettre des petits... Ah non, pas de rideau. Ah ouais. Ça va gâcher la luminosité. C'est parti, là qu'est-ce qu'on va faire maman? Là on va aller faire un peu de shopping, on va aller manger, je pense qu'on va la...
On va à la rue de Rivoli, je pense, ou au hall. Et je pense que je vais vous laisser ici pour cet épisode numéro 3. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram parce que là, je vais faire plein de stories en temps réel parce que là, il y a un peu de décalage. Tu vois, c'est l'épisode 3 alors que l'épisode 1 n'est même pas sorti pour vous dire. Je vais vous montrer qu'il y a vraiment un vrai décalage entre les épisodes, d'où l'importance de venir me rejoindre sur Instagram pour suivre tout en temps réel. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je sais pas s'il a été très long celui-là. Mais en tout cas, le prochain, il s'avère très long. Installation, shopping, déco. Fatigant. On va tout ranger. Oui, et ensemble, vous allez m'accompagner. Comme ça me tiendra compagnie. Et voilà. Gros bisous. Trop bien, maman. Tu vas me dire ce que t'en penses? Oh, j'en peux plus. Attends, on va voir si je suis cadrée. Je suis en pleine recherche de mon adaptateur. Hey, mais est-ce que je vous l'avais montré? Ouh là 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 là. Et vous êtes pas droit là. Vous êtes un peu en... Ouais. Oh, je viens de faire pipi. Il pleut. C'est quoi ce temps? On est au mois de juin là. Je suis une nana fille en bord, hein. Bah oui. Maman, comment on met ça dans la voiture? Tu tiens? Oui. On est dans l'appart. Maman, arrête de tester les lumières. Tu vois? Maman, tu le vois tout le temps. Bon, tu te trimballeras pas en culotte, les gens me voient là. T'inquiète.